Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Astraino. On se retrouve pour continuer notre aventure et rattraper le train d'or. Alors comme on a pas mal de temps restant, en tout cas visiblement puisque c'est la fin du chapitre, on va aller faire un petit tour à Yarkovo quand même, voir s'il n'y a pas quelques armes. Même si nos fonds sont pas hyper pleins, si on peut passer sur du tier 2 comme d'hab, on prend. J'ai préparé une escouade pour le combat. Donc il recommande taille d'escouade de 10, donc j'ai fait une escouade à peu près équilibrée, assez énervée, avec de très bon équipement. Quelques médecins cette fois. Et j'ai préparé une petite escouade de 3 mecs pour aller faire un petit tour là. Avec l'avarice, et d'ailleurs avec énormément de traits, c'est plutôt cool. Donc on va les envoyer, et en attendant on va regarder si on n'a pas des choses à faire. Alors, on peut restaurer la résistance, plus 20%. On va le faire. Histoire que on se prenne pas genre un blocus, un truc du style, et que ça pète quelque chose. Après, on peut agrandir encore l'inventaire. Mettre du blindage pour 70 de métal, ouais. Vitesse de réparation, le coût de réparation, bon, c'est pas trop le thème. Si on avait mis le blindage déjà. Ça c'était quoi? Augmenter la résistance du wagon, des murs. Ici on a tout fait. Là on a tout fait. Ah pareil, 100 de bois pour ça, c'est vraiment pas rentable. Hein. On pourra peut-être commencer à travailler sur les poêles quand même à un moment. Plus de monde, ça me paraît pas utile. Pareil, plus de monde, le 10% d'efficacité, il ne vaut vraiment pas le coup. Vous, qu'est-ce que vous foutez là? Matériaux robustes, non. Là, on pourrait peut-être faire un petit tambour de... Ah non, c'est 100 de bois. Et des quartiers supplémentaires, ouais, non, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup pour ce wagon-là. Pour l'instant, je sais même pas si on va avoir d'autres personnes. Bon, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser se reposer celui-là. Hop, voilà, on va mettre eux, ça va être fait en 10 minutes, très bien. Là il travaille, ici il travaille pas. On avait visiblement plus rien d'intéressant à faire pour le moment, donc pas de soucis. On enlève la pause, on passe en vitesse 2, là c'est juste histoire de voir. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il a? Des trousses de secours, ouais, durant 1. Un pistolet parabellum rang 2, mais on en a déjà 3 qui servent en escouade et 1 gratos, donc c'est pas un problème. Et le reste, non, niveau munitions, on est bien, niveau ressources, on est bien. Donc bah non, ok, ça ne vaut pas le coup. Alors, est-ce qu'on veut vendre des trucs? Non. On les vendra si jamais il y a besoin, donc bah non, tant pis, revenez. Et on va lancer le trajet. Putain. Ce que j'étais en train de me dire là, on va atteindre la petite jauge ici et même pas on a eu le temps quoi. Et pourquoi ils bossent pas là? Ah putain, non mais les mecs, bossaient la nuit, enfin sérieux. Terminez-moi ça. Sans blague. Allez, on termine ça et on décolle. C'est bon. Les événements pourris, ça va bien. Ok, il nous reste un soldat secoué pendant ce temps-là, au moins ils se sont reposés, c'est toujours ça. On va dissoudre la petite escouade pour qu'ils aillent dormir. Et on va à Novo-Nikolaevsk. On va voir si les amis de notre capitaine préféré des Blancs ont réussi à saboter le train. Ce qui est pas, c'était pas dit, hein, vu qu'on lui a rien livré. Ah, la vache, il y a un blocus, quoi. Non, non, on arrête le train et on s'occupe de ça. Par contre, on n'a pas beaucoup baissé la menace. Trop vite. Même trop vite, on va se retaper un événement pourri. Fait chier. Du tissu, une trousse de secours, ça va. Alors. Ok, on a récupéré un peu de bois et une grenade. Bah, écoutez, parfait. Allez, démarre.
fasse baisser cette jauge de menace là. Sachant que ça va se terminer là, donc pas non plus de miracle. On va pas se permettre d'attendre des masses dans cette ville par contre à la fin de la mission, je pense. Alors, commencer la mission. C'est parti. Les quais secondaires en cours et les escouades déployées seront perdues. Eh oui. Alors, votre train s'arrête avant d'arriver en gare. Peu après, votre conseiller vient vous informer de la situation actuelle. Le train dort. Ok. J'espère que c'est un jeu de mots et pas une faute de frappe. Major, nous nous arrêtons pour obtenir des informations. Le train transportant les réserves d'or devra se trouver à la prochaine gare. J'ai envoyé... Ah, quand on parle du loup. Petr Kollar s'approche de votre conseiller et lui tend ce qui semble être un mot rédigé à la hâte. Ok. C'est notre confirmation, un message d'un aiguilleur. Le train est en place et en cours de réparation, ce qui doit vouloir dire que les agents de Belov ont réussi. Ok, 6 de morale pour lui, parce que c'est un nationaliste, très bien. L'armée rouge ne va pas nous laisser prendre ce trésor national aussi facilement. Nous devrions envoyer nos soldats les plus expérimentés. Nous devons faire vite et capturer le train, faisant le moindre mou possible avant son départ. Alors du coup, on y va avec pas forcément nos soldats les plus expérimentés, mais en gros, il n'y a que le médecin. Voilà, on pourrait mettre un éclaireur peut-être un peu plus expérimenté, mais il a quand même les compétences qu'on veut. Donc on y va. Voilà, un deuxième tir critique, ça pourrait être pas mal. Est-ce qu'on peut éventuellement trouver... un éclaireur disponible. Il y a Petr qui est disponible. Maximilian, mais il est secoué. Alfred qui sera disponible aussi. Mais il faut faire un peu d'XP pour les piou-piou. Non, non, on va partir avec cette escouade-là. J'ai passé un peu de temps à la faire. On y va. En plus, 18 d'endurance la mission. Donc il faut des mecs en forme. Dobře, nevědí, že jsme tady. Bude lepší, když to tak zůstane co nejdéle. Vlak se zlatem je velmi dobře zabezpečen a ve městě je silná posádka, takže rudí si starosti nedělají. Ale nenechte se mýlit. Zemřou dřív, než se toho zlata vzdají. Takže se dostaňte na nádraží rychle a tiše. Pokud budete muset bojovat, udělejte to bleskově a efektivně. Jsem na cestě. Ok, ça m'a l'air d'être un excellent plan. Alors, voyons voir à quoi ça ressemble un peu plus loin. Ok, là il y a des barricades, mais il n'y a personne, c'est juste pour bloquer la voie. Ok, là il y a du monde. La carte est très en long pour le moment. Donc là il y a un mec qui patrouille pépouze et un mec qui bouge pas, ça va être très facile à éliminer. Pas d'inquiétude, après on a un dépôt. Un petit peu de loot. Type qui glande. Ok. Bon, pour l'instant ça va. On va mettre une vision quand même sur eux. Avec le niveau 2. Ok, on va avancer avec les autres. Hop, dans la pomme pas. C'est assez dispersé les herbes, donc on risque de devoir les gérer à la main pour qu'ils se planquent efficacement. Genre toi, avancez par ici. Ils sont cachés, cachez-vous. Alors, qu'est-ce qu'ils donnent là, les piou-piou? Ils sont partis où? Assez loin, visiblement, ils reviennent. Okay. On va progresser avec lui jusqu'ici. On devrait pouvoir se les faire, je pense, sans trop de problèmes. T'es caché, toi? Ouais, t'es caché. T'es caché. Est-ce qu'on les fait venir vers nous? Ils viennent par ici, ça pourrait être intéressant. Un petit caillou. Comme ça, ils vont descendre. Et on va pouvoir prendre nos deux fusillés là. Pour aller s'en occuper dès qu'ils feront demi-tour. Parfait. C'est parti.
Toque un petit peu à l'arrière. Planque-toi. Ok. Parfait. Toi tu vois là, toi tu vois là. Donc on va faire le tour par derrière eux. On est là. Qu'est-ce que tu fais? Ah putain. Ouh, juste à temps. J'ai cru qu'il n'y arrivait pas. Bon. C'est fait. Progressons par là. Reprenons une petite vision. Ici, ah, là, il y a un mec. Statique, il nous tourne le dos. Ouais, il est certainement pas seul. Ah, quoique. Là, il y en a un autre qui est tourné, qui doit patrouiller. Là, il y a une petite cloche. On a moyen d'approcher bien à couvert par là. Ici sur le quai, du coup. Ah, le mec qui était sur le quai a disparu. Où est-ce qu'il est parti? Est-ce qu'il patrouille par là? Non, il patrouille pas par là. Il patrouille plus loin. Là, il y a un mec avec du carburant. Ok, ça doit être lui là, il doit faire des allers-retours. Bon, okay. Ça veut dire que premier objectif ici, d'accord, là lui il patrouille jusque là, et ça c'est du fusillé niveau 2, ok. Donc normalement là pour le moment on est bien planqué derrière le petit but, mais il va falloir qu'on se bouge. On va venir se placer là, vraiment derrière le petit truc. Il y a des choses qui pourraient éventuellement péter. Comme ça, on va pouvoir mettre des jumelles un peu plus loin. Ok, là, il y a vraiment rien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vite fait se débarrasser de lui. No, ano. Zdá se, že jsou na tom líp než rudí, co je hlídají. Pokud rudí nedokážou vlak opravit, pokusí se zlato odvést nákladňákem. Nedejte jim šanci. Ok, ici il y a un mec qui vient vers nous, mais on est assez loin. On va reculer. Ok, pas mal. Donc là, on a un camion à détruire. Un là, qui est à côté de trucs explosifs éventuellement. Là, il y a une autre cloche. Pas cool. Toi, t'es en train de te rapprocher. Parfait. Alors, du coup, donne-nous un peu de vision, toi. Pane, tak se podíváme, co tam je. L'autre là, faudrait qu'on s'en occupe de celui-là qui patrouille. Il voit derrière les caisses, ouais. Cette vision. Ano, podívám se. Ici on a le mec qui fait cette petite boucle là, qui revient par là, intéressant. On se colle un peu plus peut-être là. Ano. Rozkazy. Fais pas demi-tour, hein, non. Ok, très bien. Toi, par contre. Ressort. Parce que tu vas peut-être être dans l'angle de vue, là. S'il décide de faire demi-tour par là. Tac, ok, non, il fait demi-tour par là. On peut pas le choper, il y a lui qui surveille. J'aimerais bien me débarrasser de ça, mais pour le moment, pas tout de suite. On va déjà aller s'occuper de celui-là. Il nous voit pas. Allez. En espérant qu'il reste un petit peu là à regarder ce qui se passe. Parfait. Alors retourne là-bas, et toi, donne-nous une vision sur les gens qui sont par ici. Et notamment celui-là qui devrait, je pense, revenir par là. Toi, donne-nous de la vision par ici. Ok, le troisième camion est là. Il y a des gens qui tournent. Globalement, ça va en termes de nombre de personnes. Si on y va tranquille, ça devrait être gérable. On va éliminer celui-là, comme ça il fera plus sa patrouille là, ce qui nous permettra d'éliminer lui assez facilement. Et on va essayer de neutraliser les cloches avant de commencer à tirer pour exploser les camions. Ça me paraîtrait plutôt une bonne idée. Par contre là,
Il va rentrer dans une bulle noire, lui. Merde. Hurra! Vaše rozkazy, pane! Est-ce qu'on a été repéré par d'autres personnes? Co se děje? Prověřím pozici. Ça va. Ok, ça a l'air d'aller. Připravenější už nebudu. Ça a l'air d'aller, ça a l'air d'aller. Les autres étaient loin. Ah, je pensais vraiment pas qu'il allait se tourner vers moi aussi vite, l'enfoiré. Ok, donc là on va avoir lui à éliminer. Lui aussi. Donc lui on peut envoyer quelqu'un par là. Envoyer quelqu'un jusqu'ici. Viens là. Voilà. Rentre par ici. Parfait. Et viens jusqu'ici. Voilà. L'autre il fait sa popote par là. Ok, il va pas plus loin. Donc on va s'occuper de lui. Ce qui veut dire qu'il nous faut de la vision. Podívám se. Ici. Povídejte. Dobře, jdu tam. Regarde, ça mange pas de pain. Oh, coucou toi. Zaujímám pozici. Où va? Il s'arrête, il va faire demi-tour assez vite, donc pour l'instant on peut pas s'approcher. C'est parti. On a vu quelqu'un d'autre, c'est celui qui est là. Non, ici il y en a un autre. Ah putain, il y en a un autre qui vient vers nous aussi. Il y a beaucoup plus de monde que prévu ici. Un groupe de deux, ok. Replie-toi. Donc, ce serait bien d'avoir un peu plus de vision sur ce qui se passe par là-bas. Il y en a un autre là, ok. Eux ils font demi-tour, comment ça se passe? Non, ils viennent vers moi, non, ils font demi-tour. Okay. Parfait. L'autre qui est là-bas, il n'a pas atteint sa limite de patrouille, lui il s'est arrêté, qu'est-ce qu'il fait? Ça va, je sais pas ce qu'il branle, mais. On se retourne pas, on va récupérer ça et on se recule. Ok. Il y a quand même encore du monde, hein. Ah là, il y a un sniper. Grosse vision là. Ça veut dire que ça va être difficile de neutraliser ça et que lui il voit cette zone. Donc faut faire gaffe. Faut faire très très gaffe. Ah non. Où je dois? On va donc essayer de se déplacer par là-bas. En ignorant ce côté-là pour le moment. Parce que c'est une vision là. Voilà. Est-ce qu'on peut mettre une vision un peu plus loin là pour voir ce qu'il y a? Là c'est clean, ok. Il n'y a pas grand monde. Parfait. On peut progresser jusqu'ici. Ouais, planque-toi un peu plus que ça quand même. Ano. Tak se podíváme, co tam je. On va attendre que lui revienne. Donc là, on est sur une mission plutôt fufu. Hein. On a eu des missions un peu plus énervées dernièrement. Ça fait quelques temps qu'on n'avait pas eu vraiment une mission fufu. En tout cas pour le moment. On pourrait se cacher là, on serait bien placé pour le gérer, remarque lui. Mais je pense qu'on doit être à portée de vision des gens qui sont par là-bas si on fait ça. On peut se faufiler là. Dans leur dos. Voilà, hop. Et dès qu'il arrive, on le chope au passage. Il va passer près de nous quand même. Ok, c'est bon. Alors, est-ce qu'on a moyen de désactiver ça en termes de vision? Podívám se.
nepřítel. Ça rentre dans leur zone de vision, hein. Ouais, ça rentre carrément dans leur zone de vision. Mais on pourrait genre se mettre par exemple par là, un peu planqué, pif, on cale une balle là-dedans. Pour exploser un peu le truc. Bon, ça va les exciter par là-bas par contre, ça y a pas de débat. Ok, essaie de te débarrasser de ça, y a personne d'autre pour le moment, avant que les deux autres PLO reviennent. Si tu peux... On va en profiter pour te faufiler jusqu'ici. Voilà. Ça, on a un mec potentiellement en embuscade, enfin une dame en l'occurrence, qui peut piquer un peu. Ensuite, on peut se dire... Alors, on va prendre un médecin pour allumer ça. On va rentrer tout le monde par ici. Un peu loin, là. Médecin, parce que c'est les munitions qu'on a le plus. Et là, on n'a plus besoin de mettre de jumelles vu qu'on a réussi à caler un petit éclaireur. Vas-y, sors de ça. Tire sur ce truc. Ça les a pas excités. Ils nous ont pas vus. Là, ce qui serait intéressant quand même, ce serait de voir le sniper. Il était là. Jusqu'où va sa vision? Est-ce que lui sort de sa vision? Non, mais on pourrait le faire en sorte que avec un caillou, sans doute. Ok, intéressant. Intéressant, intéressant. Bon, le deuxième médecin. Ici, du coup, s'occuper de ça. Toi, tu peux progresser un peu par là. On va prendre. Toi, tu vas balancer des petits cailloux des familles. Ah non. On va essayer de faire sortir lui de la zone du sniper. Et derrière. On se débarrasse d'un mec de plus. De ce côté-là. On va sortir du mode discret, péter le camion. Vas-y, replie-toi planqué. C'est bon. Parfait. Si on prend toi avec ton tir critique, faut que je prenne ton jumelle pour voir. T'es où? T'es là. Ouais. Largement tiré sur ce truc là sans être visible, même si ça va peut-être les exciter. Par contre, shooter le sniper, c'est pas dit quand même. Il est quand même. Il a quand même une belle vision. Peut-être en se mettant sur un angle à la con. Bon, de toute façon, on va devoir prendre une vision sur lui, donc il va nous voir le temps qu'on ajuste, mais. Si c'est rapide. Si c'est rapide et qu'on est camouflé, ça peut le faire. Alors déjà, toi, tu prends ton petit caillou. Tu vas nous faire venir lui, genre... Alors il s'arrête tout. Parfait, genre là. Vas-y, balance ton petit caillou, fais-le venir. Surveille la zone. Et sortie de la zone. Donc il se retourne parce qu'il se retourne assez vite normalement. Voilà. Chope-le. Excellent. Un de moins. Ok, on va pouvoir étudier un peu plus le terrain. Donc du coup, sur ce front, on a du loot, mais il n'y a personne. Ok, c'est quoi le loot? Des grenades, du carburant, du métal. Là, on a le groupe de deux qui revient, qui fait visiblement une grosse ronde, hein, parce que ça fait un moment qu'on les a pas vus. On va regarder un peu par là. Je pensais que c'était lui, là, mais non. Alors du coup, est-ce que éventuellement il s'approche de ça? Je crois pas, il reste assez loin. Dans le doute, on va prendre toi. Non, il reste trop loin. On pourrait leur balancer un petit caillou. Pour les faire venir proche là. On va balancer un caillou, non, même ici.
Podívej se, ty hlubé. Kto zdes? Fais venir un, mais le deuxième s'en fout visiblement. Rozkazy, pane. Du, do kretu. Viens de planquer, toi. On les a séparés, cela dit. On peut peut-être balancer un deuxième caillou encore pour le faire venir un peu plus proche. Mm-hmm. Toi, t'es en train de recharger ton caillou. Vas-y, t'as ramassé un autre caillou. Odlákám pozornost. Non, ça le fait pas venir plus que ça. Et du coup, si on met des jumelles ici... Si, il progresse un peu plus. Il est encore dans la zone du sniper. Excellent, il est sorti de la zone du sniper. Parfait. Il s'approche pas mal de nous, mais dès qu'il se retourne, on peut se soigner. Ça, c'est propre, ça. Ça, c'est excellent. C'est excellent, c'est excellent. Du coup, prenons-toi avec le tir critique. On va t'amener là, et d'ailleurs on va aussi amener lui, pour avoir un peu plus de monde à même d'agir dans le coin. Toi avec ton tir critique... Alors si je t'amène vraiment juste à la limite ici, est-ce que ça donne en termes de portée? Largement pas suffisant. Est-ce qu'on peut le faire bouger? Il faudrait lui lancer un caillou. En termes de vision, est-ce qu'on a moyen éventuellement de faire le tour? On aurait moyen de faire le tour et de le shooter sur le côté. Pourquoi pas? On va tenter ça. C'est pas mal. Tiens, toi je t'ai un peu oublié. Viens, reviens par ici. Te planquer avec l'autre là. Pareil pour toi. Alors? Et on va essayer d'infiltrer le sniper. Attention à ce que tu fais. Ah non, pas là. Vas-y, viens là. Où je dois ? Ah, tu peux pas descendre là ? Là, t'es un peu dans un angle mort. D'où ? Il fait la pose de ça. Sérieusement. On va faire le tour tout là-bas. Ça, c'est pété. Aïe aïe aïe. Bon, tu peux courir là, c'est bon, vas-y. Rozumim. On va passer en mode normal. Dudokrito. Vas-y que lui. On devrait pouvoir passer en longeant la rive. Ah non, pas mal. Jusqu'ici. On n'a pas éclairé par là, hein. On va peut-être s'arrêter dans une touffe d'herbe pour mettre une petite vision quand même. Viens te mettre là. Ah. Ok, il y a du monde. C'est pas totalement neutre. Regardons un peu. S'il n'y a que lui et qu'il regarde le paysage, honnêtement ça me va. Non, il y a un autre là. Ok, du loot. Alors, j'avoue, je me serais pas attendu à trouver du loot par là. Et ici, c'est le bout de la rivière. Il y a du guet quand même, visiblement. Alors, la question, c'est est-ce que lui, il bouge? On dirait que non. On va attendre deux secondes. On peut même se rapprocher à la limite. On va surveiller un peu plus. Non, c'est plutôt clean. Passe par derrière toi. Tu suis ici et après tu suis là. Après, tant que t'es là, tu vas aller chercher le métal. Il y a une autre cloche par là-bas, donc attention, ici il va peut-être y avoir du monde. Ok, on se replie, on reprend notre plan d'origine qui consiste à s'occuper de celui-là. Donc en gros, il faut passer sur une ligne derrière les bûches. Là. Ça paraît jouable. On va essayer de le shooter pendant que lui est loin. Alors où est-ce qu'il va?
Lui, de toute façon, il nous empêche de traverser cette zone. Ok, très bien. Donc lui, il fait juste ça. Donc le plus loin possible où il est, c'est là. Ok, très bien. Bejte na bablach! Bejte na bablach! Sakra! Připravte se na boj! Ça, c'est pas cool, ça. Zaměřuju. Courez me shooter celui-là. Rozkazy, pane! Rozumím! Pareil pour toi. Il y a du renfort qui arrive. Ano, pane! Ah putain, c'est trop tard. C'est trop tard, les gars. Voilà, ok, on va reculer. On va se mettre dans une position défensive directe. Toi, ici, toi, là. On va essayer de le shooter, mais je crois pas trop. Toi, tu vas reculer. Hledám kryt. To jsou legionáři. Jdou si pro zlato. Musíme jít! Tohle teda nebylo rychle a tiše. Tak to hold budeme muset udělat bleskově a efektivně. Soudruzi, přikládeme pod kotel. A měli bychom být připraveni vyrazit do 10 minut. To asi nebylo pro nás. Ale jestli chceme to zlato, měli bychom tomu věnovat pozornost. D'accord, ça c'est la merde. Ano? Ok, c'est punitif. Lui, il est géré. Lui, on va se le faire. Les deux goûts en plein nulle part. Ok. Bon. Plus le temps de buller, du coup. On va quand même détruire ça, du coup. Vous, vous pouvez sortir de la discrétion, toi aussi. Toi, tu vas tuer ça. Ok, toi, détruis ça, ce sera fait, on n'en parlera plus. Alors, bon, on va pas faire non plus n'importe quoi, on peut prendre les combats, mais... pas faire ça n'importe comment. On va regarder un peu ce qui se passe un peu plus loin. La route a l'air clean. Par là c'est clean. Ok, la petite baraque qui est par là-bas, il y a certainement du monde. Il y a un civil, une cloche, du tissu. Bon, on va probablement ignorer ça. Et du coup, plutôt progresser par là. Alors, on va quand même prendre le carburant. Ano, pane. Voilà. Počúvam. Už idem. On peut progresser au moins jusqu'ici. Podľa rozkazu. Nepřítel. Top. Presúvam sa. Quoi ça ressemble? Podívam sa. Ok, j'ai cru que c'était une maxime, j'ai eu un doute, c'était un mec en train de scier ou une maxime, mais ça va. Prověřím pozici. Jako by se stalo. Podívám se. Une mitrailleuse quoi. Bon, là c'est du civil. Lui il est sur notre chemin, mais on va pouvoir se l'éliminer rapidement. Poslouchám. Mně se neschováš, kámo. Alors attention, il y en a un autre derrière. Ah, il y a un sniper là. Putain. Ano? Ok. Reculez. Annulation de la mission, annulation de la mission. Prověřím pozici. Encore un enfoiré qui surveille la zone. Et il surveille toute la zone du pont là. Et visiblement, l'hôte a fait demi-tour. Ok. Par contre, il n'y a pas de cloche proche, semblerait-il. Oh non. On va quand même jeter un œil un peu plus loin, mais non, il semblerait que non. Podívam se. Lui, il a fait demi-tour. Bon, on peut lui tirer dessus, mais on va être repéré par le sniper. Est-ce grave? Tant qu'on rentre pas dans sa zone de feu, ça devrait aller. Donc toi, tu vas nous donner une vision de préférence sur tout le monde. Voilà. Toi, je vais essayer d'aller shooter celui-là dans le dos, tant pis, on s'en fout, pas de regret. On s'approche beaucoup là. Rozkazy, pane. Trop proche. Faut qu'il fasse demi-tour un peu.
Allez, reviens. Ah, putain, le relou, quoi. Alors, on peut peut-être tenter un truc avec lui. Lui va nous voir, mais on va se cacher, normalement. Voilà. Il s'est tourné, intéressant. Lui revient vers nous, il recule juste avant qu'il nous voit. Il a fait un peu comme s'il allait descendre, mais en fait... oui, si, il peut descendre pourtant. Pourquoi il l'a pas fait? De toute façon, on n'a aucun endroit où se cacher ici. Hein. Il n'y a rien de... Niveau discrétion, c'est mort. Hein. Vas-y, fais-toi celui-là. Lui, ça l'a excité. Okay, on va voir ce qu'il fait. Pas grand-chose. Il est coincé. Il y a peut-être un bug avec le fait que la zone de map est juste là. On va s'éliminer lui et après on progresse. Allez, vas-y. Récupère. C'est bon. Mě se neschováš, kámo. Rozumím. Passe par derrière. Voilà, s'il te plaît. Na mušce. Yes. Pozice je zajištěna. J'ai entendu d'autres personnes crier, mais je vois rien. Pour le moment. Tak se podíváme, co tam je. Ok, il nous reste 6 minutes. Podívám se. Ah putain, là c'est plus la merde par contre déjà. On peut tirer sur ça pour se débarrasser un peu de tout le monde. C'est plutôt pas mal, regardons un peu dans le champ. Dans le champ y'a rien, là. Y'a rien, du loot. Non, pas de loot. Où est ta zone de... Elle est là-bas. Vas-y, mets un coup là, ok, on a du monde ici. Ici. Une civile. Et ici c'est trop loin, on s'en occupe pas. Ok, donc du coup, l'objectif pourrait être éventuellement de se débarrasser de cela en tirant sur ce truc, en arrivant par exemple par là. Bon, déjà tu peux progresser jusque là. Déjà tout le monde, venez là. Toi, tu viens là. Récupère-nous ça. Donne-nous une vision. Est-ce qu'on peut atteindre cette zone? Pas trop. Là, si on veut rentrer, il faudrait donc qu'on rentre par ici. Ok, bon, on y va. Ano? Poslouchám. Hop, petite sauvegarde au cas où ça part en sucette. Hledám kryt. Allez, pour 6 minutes. Donc Allô ici, toi, le petit QQ, donne-nous une vision, on va devoir attendre que lui fasse demi-tour. Rozkazy, pane. S'approcher avec lui. Už jdu. Attends, justement sa vision. Ok, détruis-nous ça, s'il te plaît. Mě se neschováš, kámo. Ah, attends, ça l'a pas tué. Ça n'a pas tué, ok, donc repli. On va se replier. On va se planquer là. Viens là, toi. Lèche-toi. Alors, placez-vous. Pour être planqué. Ok, tout le monde est caché là. Excellent. Ah, je pensais vraiment que ça allait péter suffisamment fort, mais ça nous met dans la merde en plus. Hein. Vous pouvez pas venir vers nous un peu plus loin. Vas-y, rapprochez-vous. Et on sort tout le monde de discrétion. La moitié qui allume celui-là. La moitié qui allume l'autre. Voilà. Cachez-vous. Donc là, il doit rester juste lui, qui est planqué sur sa Maxime. Du coup, couvre la zone de manière assez désagréable. Donc toi, tu vas nous donner une vision dessus. Toi, tu vas avancer un peu par là.
va devoir besoin que tu nous snipes ça parce qu'il couvre vraiment trop la zone là, vu qu'il y a un bout de map par là. Ça ujímám pozici. En termes de portée. Mně se neschováš, kámo. Jsem na cestě. Ça va absolument pas le faire. Pourquoi tu l'as pas tiré dessus, je ne sais pas. Mám ho na mušce. Už jdu. Ok, ça déconne là. Peut-être que je peux pas lui tirer dessus parce que je suis trop devant. Éventuellement passer par derrière là. Tenter, mais alors on va regarder. Non, il y avait un mec là qui surveillait la rue. Non, faut qu'on se débarrasse de ce connard là. Comment on peut faire? Parce que si on approche direct, il va nous allumer. On va essayer de jouer sur le côté quand on s'arrête, on devient invisible. Voilà. Hop, on va là. Ah non, il va nous voir là. Juste à temps. Juste à temps, quoi. On peut jeter un caillou derrière lui. Parfait. Mně se neschová. Ano, pane. Ok, on commence à voir un petit peu cette foutue gare. On a 4 minutes. 4 minutes pour prendre la gare. Toi, tu te remets en mode fufu. Donne-nous un peu de vision. Ici, il y a plein de monde. Normal. Il y a une automitrailleuse qu'il faut absolument pas qu'on leur laisse prendre. Ici, un mec. Là, un mec. Ici, il y a du monde. La zone à atteindre est tout là-bas. La cloche est hyper tendue à atteindre également. Mais probablement que ce soit être le grenadier là, qui va tenter des trucs. L'idéal, ce serait de se débarrasser de lui. Ano, ano, pane. Du coup, toi, tu vas avancer jusque là. Tous les autres, vous sortez de votre cachette. Vous pointez. Ok. Sinon, c'est si je me fais celui-là, est-ce que ça va affoler les autres? Là, ils sont trop loin, je pense. L'idéal, ce serait de leur caler une grenade. Ici, il y a personne, donc il y a lui éventuellement qui fait un peu chier. On va prendre un mec comme ça, on va courir jusqu'ici. Un autre. On va essayer d'éliminer ceux-là en mode fufu. On va mettre à se cacher parce que sinon, il fout la merde. On va risquer vraiment rien d'autre. Ah ok, on a un mec ici qui arrive. Je me disais, ça me paraissait bizarre là que elle soit pas du tout protégée, cette truc. Lui m'a vu, bon c'est pas grave. Il s'est retourné un peu trop tôt. Rien de très gênant. Donc il y a un fusilier ici. Là une grenade à caler. On va prendre notre grenadier. Alors avant, on va donner une vision. Genre, est-ce que la maison sert de cache? Ok, la maison sert de cache, donc on peut approcher avec un angle bien à la con, comme ça. Top. Portée de grenade, t'es comment? Pas si mal, hein, franchement. Pas si mal. Faudrait juste attendre qu'on soit débarrassé de cela. Ici. Lui, il en est où? Je pose des questions. Vas-y, va le nettoyer. Ces deux-là, ils sont un petit peu trop proches, malheureusement. Bejde na bablach! Bejde na bablach! Sakra! Připravte se na boj! Ochutnej naši ocel!
Sem připravena. Est-ce que tu peux te cacher quelque part? Ouh, c'est chaud du cul. Il l'a entendu crier, mais pour l'instant, il sonne pas l'alerte. Là, il y a un truc où se cacher, éventuellement. Postaram se o to. On va y aller comme ça. 2 minutes 30, ça devient tendu. Visiblement, il va y avoir un autre truc après. Il y a une mitrailleuse là à prendre. Mon sniper, il est là. Mon grenadier, il est là. Viens te mettre là, tu devrais être bien à portée, je pense. Alors lui, il va où ? Povídejte. Vas-y, fais demi-tour. Nebude to čekat. On n'en parle plus. Et là, du coup, on garde le snipe pour nettoyer celui-là. Et là, on balance une petite grenade dans les flammes. Bejte na bablách! Bejte na bablách! Sakra! Připravte se na boj. Mám ho na mušce. Vas-y, brouille-toi. Mně se neschováš. Oblast je čistá. Připravenější už nebudu do krytu. Encore jusqu'ici. Rozkazy. Va se recentrer ici. Viens. Poslouchám! Jsem připravena. Pareil pour toi. Il reste 2 minutes, il y a certainement encore du monde un peu plus loin. Vous venez jusque là, toi, donne-nous de la vision là, un peu plus en avant. Ok, là il y a un foutu officier. Il y avait un autre mec ici, j'ai mal vu, non c'était un civil, ok. Est-ce qu'on peut éventuellement aller chercher cette auto-mitrailleuse de manière sûre? Plutôt oui. Plutôt oui, donc on va prendre... Le mec qui est blessé, le médecin, et on a deux grenadiers, donc toi tu vas venir, vous allez venir là, on va s'occuper de ça. Il y a plein de loot, mais on s'en occupera plus tard. Donc la priorité là c'est ça, il y a un mec, lui on peut se le sniper sans problème. Le chargement est déjà fait. Toi, t'es assez à portée pour mettre ta jumelle. Vas-y, mets ta jumelle. On va envoyer lui là. Grouille, 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 grouille. Zaujímám pozici. Něco mi říká, že rudí dokončili přípravu vlaku a jsou připraveni odjet. Tak na co čekáte? Pospěšte si. Vaše rozkazy, pane? Donnez-moi ça. Ok, on va pas perdre de temps. On avoine. On n'a pas détruit la cloche. Toi, va détruire la cloche. Rozkazy? Ano, pane. L'auto, on va la mettre par là. Počúvam. Un mec qui court, on va aller me chercher ça. Un autre va aller me chercher ça. Ano. Poslouchám. Les autres en position. Notre mitrailleur, il est où? Ah putain, il est tout derrière. Il est pas venu. Foncez. Ah putain, ça, on peut pas sniper ces gens. Zut, bon, c'est pas grave. Repli. On va commencer à s'occuper de ça. Hop. L'auto. Elle va venir ici. Là, on détruit ce truc. Toi. Rush jusqu'ici. Non, même... Rush jusqu'ici. Toi, tu me ramasses ça. Là, on est en train de détruire la cloche. Toi, tu me ramasses ça. Ok, il y a du soldat qui se pointe. Il faut que les mecs, vous vous en occupiez, là. Parfait. L'auto, elle est partie où? L'auto? Ah putain, il fait le tour par là, sérieusement? Tu pouvais pas passer par ici? Ah oui, parce qu'il y a ces saloperies de trucs de train là.
Bon, c'est géré. On se met en position. Oh non. Toi, vas-y, rejoins tout le monde. Là, tu vas te poser. On peut mettre une deuxième personne ici, normalement. Pané. Et lui, il prend les deux places, là. C'est un peu un gourmand, quand même, hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Criem ça. Vas-y, viens te mettre par là, toi, Kazu. Rozkazy, pane! Musím se někam schovat. Allez, on capture ce foutu train. Jsem připravena. Toi, viens te mettre là pour donner une vision. Vlak je teraz náš! A zlato tiež! Tohle asi Rudé neodradí od toho, aby se nás pokoušeli zabít. Spíš naopak. Bien d'accord. Ok, on va faire une petite défense par là, peut-être. Alors, se préparer à défendre le train rempli d'or. Ok, il va y avoir des gens qui vont arriver par ici. Très bien. Ici et aussi ici. Alors, on va envoyer... Ouf, on a un beau camion. On va envoyer la voiture ici. Toi, tu vas choper ça avec... Toi. Là, on va envoyer ces deux-là. Là. Après, on va faire le tri. Rozkazy? Útočím. Là, c'est une un truc cassé. Ok, très bien. On va mettre la truc en frontal. Là, on a un canon disponible. Parfait. Donc ici, toi, tu peux prendre cette petite mitrailleuse. Toi, tu vas déployer ta propre mitrailleuse. Ce serait bien d'avoir là quelque chose à même de shooter les éventuels trucs lourds qui se pointeraient. Pareil pour toi. Viens là. D'ailleurs, non, toi tu vas aller chercher le loot. Parce que mine de rien, il y avait encore des ennemis par là-bas. Hein. Alors est-ce qu'ils vont venir, je ne sais pas. Rozumím. Il y a un bord de map. Tak se podíváme, co tam je. Vidím nepřítele. Un groupe de mecs qui papotent, tourné vers nous ou pas? Il y en a un qui est tourné vers nous, donc les trousses de secours ici, on peut pas les prendre, mais le reste par contre... Rozkazy, pane. On peut se faire plaise. Jasná věc. Alors c'est sûr que si on a du char qui arrive, ça va piquer un peu. Mais sinon, ça devrait aller. Toi, t'es pas du tout bien placé, toi. Viens par là. Non, même, je pense... ouais, si, viens par là, pour pas être complètement... trop encerclé. Il nous faudra une vision. Parce que là, on voit pas assez loin. Ano? Alors, est-ce qu'ils prennent la route? Ouais, on s'est un petit peu flanqué. Non, toi reste là. Toi va là, même ici. Ah, mais t'es en discret, toi. Qui est en discret? Toi t'es pas en discret mais t'es caché, toi t'es sur le canon donc t'es certainement pas en discret. Ok c'est bon, il y avait que lui qui était en discret. Putain ici on flanque presque hein. C'est vrai que les véhicules comme ça faut qu'on leur donne l'ordre. Toi tu peux bouger? Non, tu peux pas bouger, t'es fixe. Tu peux pas tirer sur ceux qui sont là-bas. Tu peux tirer sur celui-là par contre. Oh putain, il y a un véhicule là. T'es sûr que tu peux pas bouger toi? Non, tu peux pas bouger. Bon, on va envoyer la voiture au centre du coup.
Le grenadier. En train de recharger. On n'arrive pas à les éliminer là, les cons. Vas-y, tente de courir sous la zone. On peut éliminer et tirer sur ça. Le... Ok, il est en train de changer de position lui. Ok, ça arrive par là du coup. J'ai entendu une explosion. Est-ce que c'était nous ? Non, on a bientôt fini de gérer. Putain, toi ta mitrailleuse en fait est pas tant bien anglée que ça. Démonte. Visiblement ils arrivent plutôt par là-bas. Rozkazy? Yes, synem smrti. Qu'est-ce qui s'est passé? Y'a quoi là? Y'a un snipe qui nous a shooté? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous a fait aussi mal que ça? Merde. En plus c'est le soigneur quoi. Vas-y, relève-le. Ok, bah relève-le pas. Non, si t'es en train de le relever là, t'es pas en train de le relever. Ah non. Toi, relève-le. Visiblement, il devait être quand même être en train... Ok, remets ta mitrailleuse, mais genre, je pars là-bas. Ah putain, la grenade. Tout le monde est relevé là. Retrouvez les gars. Toi. Putain, il est en train de poser sa mitrailleuse, ce con. Démonte ta mitrailleuse. Reculez. Ici, il nous faut du renfort. Il nous faut la voiture. Toi. Tu peux vraiment pas tirer aussi loin que ça, là. Là, un mort. Merde. Pas cool. Il a pas eu le temps de reculer. Putain, c'est chaud. Je ne m'attendais pas à ce que ça arrive autant en masse de ce côté-là. C'est pas grave. Oulala, la mission est largement... L'épisode est largement beaucoup trop long. J'ai complètement laissé passer le temps. Je pense qu'on va retenter, du coup. Là, ils ont dû détruire la mitrailleuse d'une manière ou d'une autre. Et c'est ça qui a blessé notre mec. Quoi qu'il en soit, on va réessayer ça. On va mettre peut-être un sniper là pour s'occuper des grenadiers et des mecs un peu dangereux. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde.